Bonjour à tous, bienvenue sur cette découverte de Skull and Bones. On va faire c'est une découverte, donc je vais faire le didacticiel et puis on verra bien. C'est parti. L'aube du capitalisme. Des sociétés aussi puissantes que des royaumes règnent sur les mers et les routes marchandes, les plus rentables du monde. D'une main de fer, elles forgent une voie vers la tyrannie et l'exploitation, soufflant sur les braises du combat pour la suprématie. Venu de l'océan Indien, un flot de produits exotiques nourrit de nouvelles addictions et remplit les coffres de pièces souillées de sang. Et là où le sang coule, les prédateurs affluent. Alors, je sais pas s'il y a encore une cinématique. Oui, donc ce que je disais, il y a un petit souci en fait, mon PC il aime pas les... Il y a des soucis avec des... comment on appelle ça? Ah, dis donc, je sais viser moi. Oui, il aime pas trop les cinématiques, je sais pas pourquoi. Alors là, pourtant j'ai une bonne carte, mais bon. Notre chance tourne. On peut encore ramener l'exéter à Saint-Anne. C'est quoi ça, on peut pas le ramener ça? Non, on peut pas. Faudra que je change les dialogues. C'est la flotte britannique! Allez, tout le monde au poste de combat! Ces petits poissons! Ah, on part au bord de la cargaison! Ouais, ben. Je sais pas jouer, moi, encore. Oh, comment c'est vu? Ok. Ah, je peux soit tirer coup par coup ou rester appuyé et ça fait boum 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 boum, enfin ça fait coup par coup, mais attends, il meurt ou il meurt pas? Comment on fait pour mettre les voiles? Je peux pas mettre plus de voiles? Vous ne savez pas comment vous lancez, crétin de mirage! Feu! Ah,
qu'est-ce qui se passe avec le son? Pourquoi le son il bug? Attends, j'ai un souci, pourquoi? Ah oui, j'avais ça aussi. Bon, j'ai un souci de son. Je vous rassure, hein. Dans ce bateau-là, c'est pas moi le capitaine. Hein. Ouais, j'ai mis les sous-titres, mais j'ai mis complet et ils mettent des flèches pour dire c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a parlé, lui là-bas, machin. Ça va être la merde. Faut que je change. On attend 30 secondes hein, que je puisse avoir la main sur le jeu et... Oh là. Et oui, la création du personnage, messieurs, dames. Et on a le choix entre un monsieur et une femme. Enfin, un monsieur et une madame. Alors. Vous voyez, regarde, donc monsieur, madame. Monsieur, madame. Monsieur, madame. Monsieur, madame. Monsieur, madame. Monsieur, madame. Donc. Je dirais. Indien. Asiatique. Hollandais. Re-asiatique. Allez, un peu. Bronzé, mais je sais pas, je vais peut-être on va partir sur cette base là. Ça fait trop brûlé, on va mettre ouais ça. Non, pas squelettique. Pas gros. On met quoi? On met balèze. Enfin, balèze musclé ou... Normal? Non, on va passer sur... On va rester sur du normal. On va dire que pour l'instant, il n'y a pas de tout ça. À moins que... Une cicatrice petite cicatrice, elle a le fil. Non. Bon, pour l'instant, on met rien. De toute façon, je sais qu'on peut changer plus tard, je pense donc. Ça. Ah ouais. On va
valide. Bon, on va se mettre comme ça les cheveux noirs. On voit rien comme ça. Hein. Bon, on va mettre ça. Changera plus tard. Y'a que ça en barbe. Je sais pas, j'aurais voulu mettre un truc de une petite barbe de 3 jours là. On va mettre ça, hein. Bah ouais, on a pas le choix. Là, un rescapé. Vite, la flotte anglaise est peut-être encore près d'ici. Prenez ma main. Je ne vous montre pas. Pardon. Le destin vous a joué un tour. La chance de Freeman doit être de votre côté. La chance? Où diable les Anglais et le brouillard? C'est la faute du capitaine Rassler, qui nous a menés sur ces hauts fonds. Nous avons survécu au combat, et maintenant vous venez renforcer le boutre. On dirait que notre sort s'améliore. Il y a une ardeur dans votre regard. J'ai déjà vu la même lueur chez d'autres. Je suis sûr que vous allez nous conduire à Sainte-Anne. Pour rejoindre le paradis des pirates, il faut en connaître le chemin. Voilà. Un journal de bord récupéré dans l'épave. Plus que par l'encre et le parchemin, notre sort se révèle par couches, souvent bien visible. Ceci vous aidera peut-être à tracer votre chemin, l'ami. Rendez-vous utile. Prenez le gouvernail avant que les Anglais ne reviennent. Je vais m'occuper des voiles. Le vent sourit aux intrépides. Saisissons notre chance. Quelqu'un doit connaître le chemin de Sainte-Anne parmi les rescapés éparpillés. La chance de Freeman nous guide. Alors, je vais faire ça maintenant. Alors, que je vous explique aussi un peu vite fait. On connaît tous les pirates des Caraïbes et tout ça, machin, patin couffin. Mais il se trouve que... qu'est-ce que je disais? Oui. Il se trouve qu'en fait, dans les Caraïbes, à cette époque-là, les pirates ont fait tellement de bordel que sur les mers, ils avaient envoyé tellement de gros bateaux de guerre avec plusieurs personnes, enfin, plusieurs navires qui suivaient les mêmes navires, genre des flottes. Ils ont envoyé des flottes. Les pirates se sont fait pratiquement tous défoncés, même la grosse partie. Et du coup, c'est dans quoi? C'était dans visuel peut-être, interface. Langue peut-être. Non, si les sous-titres. Non, c'est pas ça. Ah, c'est là. Non, c'est pas ça. Plage dynamique, c'est pas ça. C'était un autre truc. C'était où? Gameplay, ça doit être ça.
Non. Ça. Attendez, je suis un peu perdu, hein, ces trucs graphiques. Ouais, donc je disais, c'était le bordel et tout ça, mais c'était moins. Comment on appelle ça? Bah, dans l'océan Indien, la piraterie, elle était moins. C'était moins hard. Enfin, je sais plus trop. J'ai vu une vidéo hier. Allez voir la vidéo de Nota Bene sur Skull and Bones. Nota Bene, je vous recommande. Il explique très très bien. Propriété d'entrée. C'est pas ça. Ça, tremblement de l'an. Crossplay, on s'en fout. Flash dynamique, c'est quoi? Ah, ça, je crois que c'est là. Non? Non. Voilà. Ça m'énerve, je l'ai fait juste avant en fait. C'est pas ça. Ah là 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 là, ça va me. Ah, c'est ça. Sous-titres du navire, on va mettre oui. Les autres navires, non. Les activités. Active le sous-titre pour les activités. La vie du monde. Cœur. On va faire son verbe. Allez, on va jouer, hein, parce que mine de rien. Donc. Vous voyez, c'est ça, les impacts de tir, machin. Ça, je les enleverai un de ces jours. Tiens, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ça prend où je dois aller, non? Tu peux
aller encore plus vite. Au nom de la toile. Non. Pourquoi on s'arrête? Non découvert, ça doit être ça. Ça doit être ça, Sainte-Anne. Donc ça, Sainte-Anne, il est là-bas. Hop, pour mieux tourner. Hop. Terre, droit devant. Le destin nous lance un filin. On peut trouver de l'aide pour quitter cet endroit. Ah, il y avait un truc, mais j'ai pas pu le récupérer. C'est pas grave. Oups. Et débarquer. Alors, trouvez un moyen de réparer votre bateau. Alors. Bon. Mon bonhomme, bon, on verra bien. Eux font la fête. Bah ça doit être tout. Y pour parler. Ah. J'avais dit au capitaine Rassler que le navire était plein comme une truie engrossée. On a peut-être perdu les Anglais dans le brouillard, mais aussi la course contre ces foutus éléments. Regardez, les entrailles de l'Exeter sont répandues sur ces hauts fonds. Et je suis entouré de fainéants ivrognes qui se croient condamnés à rester sur ce rocher. Et où étiez-vous, capitaine ? Pendant que des frégates anglaises poursuivaient l'Exeter. Sûrement à jouer les pleutres comme l'immonde radical que vous êtes. Attends, pourquoi il m'appelle capitaine? J'étais pas capitaine, si? Et à quoi a servi votre hardiesse? À part à nous laisser pourrir sur ces hauts fonds. Vous voulez rejoindre Sainte-Anne? Naturellement. Tout comme cette bande d'ivrognes qui reste mollement assis sur leur cul. Mais si nous retournons voir le Kingpin les mains vides, il nous enlèvera nos titres. Et peut-être nos têtes par la même occasion. Récupérez ce qu'il reste de la cargaison de Skurlock dans ces eaux infestées de requins. Ensuite seulement, je vous dirai comment aller au paradis des pirates. Alors, bah non, je veux pas jouer avec toi. Alors, les affaires de pirates. Contrebande de Skurlock a été perdue dans les eaux suite au naufrage de l'Exeter. Ouais, récupéré, changé contre des informations sur l'emplacement de Sainte-Anne. Ouais. Bien. Et ne traînez pas. En gros, on fait ça le boulot pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on doit récupérer? Les armes à feu explosives et du rhum. Donc pour l'instant, si... serait incapable de guider un poisson dans la mer. Pardon. Si ce crétin connaît le chemin de Sainte-Anne, il nous faut la cargaison de Skurlock. Donc pour l'instant, c'est ça notre bateau. Si on peut appeler ça un bateau. Alors. On doit aller là.
peut pêcher ces poissons pour manger. Vous devez frapper vite. Oh là, attendez. Ok, pour ramasser, c'est Y. J'avais pas eu le temps de voir. Pour ramasser les ressources. Ouais bah visez bien, visez bien. Ah, je peux rester appuyé. Fait plus de dégâts. Il est où le requin? Il va revenir? C'est bon, on l'a eu. Ces cadavres. Il va peut-être falloir les fouiller. Quel cadavre ? Donc c'est ici qu'on doit venir, non ? Ouvrir de force. Ok. Je suis un peu con. C'est pas ici. C'est pas ici. Je crois qu'on en a assez. Oh, ça fait beaucoup de dents pour un requin. Attention à ses dents. Nous ne sommes pas destinés à mourir ici. Continuons à nous battre. La mort ne nous aura pas aujourd'hui. Je l'ai tué. Quand même attaquer mon bateau. Falloir les fouiller. Ah, j'ai un peu de mal à appeler ça un bateau. Enfin, si, c'est un bateau. Si on, c'est un bateau, c'est un bateau. On va pas appeler ça un bateau. Ah, je peux pas ramasser. Apparemment, je suis plein. Visez bien.
Approche, sale bête! Alors, donner les armes à feu et donner ça. Bah, c'est bon. On rentre à la maison. Enfin, à la maison. Ah, quand je fais bas avec la croix directionnelle, soit je me mets dans le bateau, soit je me mets à l'extérieur. C'est quoi par ici? Cuisiner. Feu de camp. Un site de cuisine. C'est-à-dire à cuisiner, consommer la nourriture grillée améliore immédiatement l'endurance. L'équipage, la nourriture cuisinée. Donc trop de régénération d'endurance et même des améliorations uniques. Ok. Et donc j'ai pas de poisson, mais j'ai du requin. Je peux faire du requin. Pour l'instant, on va rien faire parce que on ne sait jamais. Ah oui, c'est Y. Vous voulez connaître le chemin de Sainte-Anne? La cargaison de Scurlock d'abord. Merci pour les marchandises. Scurlock m'épargnera peut-être, mais je ne peux pas en dire autant de vous. Quand je lui aurais parlé du capitaine qui n'a pas protégé sa cargaison. Trouvez vous-même le chemin de Sainte-Anne, fin limier. Ne comptez pas sur moi pour sauver vos fesses quand les miennes sont en danger. Demandez au capitaine Rassler. Son cadavre bouffi connaît peut-être le cap. Maintenant, du vent, Radcal. Dommage que j'ai pas son nom à lui. Officier en chef, là. J'aurais guetté son nom en mer et j'aurais tué. Allez! Donc, d'après ce qu'il m'a dit. Une fouine jusqu'au bout. Si cette vermine dit que Rassler a peut-être la carte menant à Sainte-Anne, il faut fouiller son épave. Kit de réparation, il est où? Ouais, je n'ai pas besoin pour l'instant. Ah bah. C'est là. C'est comme ça qu'on pêche le poisson? Oui. L'horizon de Sainte-Anne recèle peut-être l'aube en laquelle je place mes espoirs. Espérons que les pirates ne vous poignardent pas dans le dos avant! Décevant! Pour les poissons. Des planches et des clous rouillés. Pardon. Alors, là on a récupéré un avancé avec RT. Donc c'est ça, c'est R2.
Tenir la zone verte pour obtenir la zone jaune donne des rejets à moins. J'ai 3 reprises le processus. Ok. Donc. D'accord, ça marche comme ça. Ok. Et je peux pas. Je voulais, le premier, j'ai attendu qu'il redescende, mais en fait, il redescend pas. Et ça l'annule. Ok. Donc, on doit les parler. Ouais. Peut-être pas. Je peux commencer à me lancer dans la lecture. Ah. Ah, on a la carte pour Sainte-Anne. Lui, il est mort. Je sais pas si c'est l'œuvre de deux personnes ou d'une seule, mais... Pas content. Donc, c'est indiqué sur ma boussole. Sainte-Anne. Là, il y a... C'est mon bateau. Ok. Ouais, pour l'instant, on est habillé comme un rescapé, mais j'espère que... La science de Freeman. Vous avez trouvé le chemin de Sainte-Anne et une lettre marquée du sceau de Scurlock. Le Kingpin voudra savoir ce qui est arrivé à sa cargaison. Ou bien John Scurlock pourrait avoir 3 balles de pistolet destinées à nos têtes. Ou juste la vôtre, l'ami. Que serait la vie de pirate sans péril et malice, hein? La cargaison de l'Exeter perdue, Scurlock aura besoin de quelqu'un d'audacieux comme vous. Procurer de nouvelles marchandises à son empire. Jusqu'ici, vous nous avez porté chance. Je suis heureuse qu'on vous ait sorti de l'eau la nuit. Rassler est mort, et avec lui, tous les devoirs et obligations antérieurs. Vous êtes libre de tracer votre destin, capitaine. Capitaine, vraiment? Tant que vous ne nous envoyez pas sur de maudits rochers. On quitte enfin ces saletés d'atoll. La chance vous sourit, Captain. Quelque chose me dit que tout va bien se passer. Donc c'est à gauche. Je vais peut-être rester encore quelque temps. Imaginez ce que nous pourrons accomplir ensemble, Captain. Bâtir une flotte puissante et écraser nos ennemis. Triompher de toutes les menaces. Défier les dieux eux-mêmes. Cap sur Sainte-Anne, Captain. Faites place! En route pour le paradis des pirates! J'ai des planches. Je sens que ça va me servir. Touche un peu tous les boutons. Hein. Pour l'instant. Ah. Pardon. Ah.
avec nos petits bateaux là. Ah, cette odeur de sel, d'épices et de pêché, Captain. L'océan Indien recèle bien des secrets et des mystères. Le repère de contrebande de Sainte-Anne est l'un de ses joyaux cachés. Quels que soient les besoins d'un pirate, cet endroit peut y répondre. Sainte-Anne est le lieu où la chance se transforme en fortune, l'ami. Scurlock peut nous mettre le pied à l'étrier. Cette lettre prouve que vous n'êtes pas un pirate d'eau douce. Et ne me regardez pas comme ça. C'est vous le mieux placé pour convaincre Scurlock. Moi ? Aïe. Le passé est le passé. Nous n'avons pas besoin de la loyauté de Scurlock pour accroître notre réputation. Seulement de ses relations. Un bon navire ne serait pas de trop. Sauf si vous tenez à ce point à votre boutre. Je vais rester près du navire pendant que vous serez à terre. Ne faites pas attention aux poissons de fond, Captain. Rappelez-vous que nous n'obéissons qu'au vent du destin. Celui-là fera pas long feu, une brindille qui aura tôt fait de se briser. De se briser ? Cette carcasse tombe en morceaux. Et elle pue la piste de baleine. Ouais, bah ça vaut pas Tortuga. Je vérifie quelque chose. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, on va s'arrêter là pour le premier épisode. J'espère que... Bon, ça, j'espère que ça vous a plu, je sais pas, mais... En tout cas, on débute, on verra bien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes que je vais tourner là à la suite. Prenez soin de vous et à ciao les amis.